Salut tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série en vacances. Je vais vous présenter cette magnifique villa. Je suis à Cannes, voilà, à Cannes, tu veux dire Cannes c'est le tapis rouge, c'est les superstars quoi. Alors il faut savoir que dans cette villa il y a une villa dans un premier temps. Et derrière on a un petit appartement, on appelle ça comment? Une petite cabane. La cabane à sbires. Du coup voilà un peu déjà à quoi ressemble le jardin. Donc ici on a le petit table pour manger. Pour les barbecues ça va être magnifique. Des bons barbecues. Le barbecue après. Ici on a la piscine, incroyable. On peut dire qu'elle est incroyable la piscine. C'est pas mal vraiment. Franchement la piscine est galée. Ils sont déjà dedans, moi je me suis même pas encore baigné, je suis déjà en train de tourner. Allez Salto. Ah ouais, bah, fait. Salto, toi. On dirait qu'elle est pas profonde mais elle est vraiment profonde. Ouais, elle fait 1m70 de hauteur, c'est ça? Ouais. Donc autant dire que j'ai pas pied parce que je fais 1m64 ou 5, je sais plus. Ici on a la... c'est là où dort l'alien, la cabane de l'alien. On lui a déjà mis les... tout ce qui est ustensile pour qu'il s'amuse pour faire ça manger. Pendant cette, ce séjour. Alien, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Donc voilà, ça va être vraiment des vacances magnifiques. Et j'ai aussi une autre pièce à vous montrer, je vous montrerai ça après, mais déjà... on va montrer les petits transats, tout ça, tout ça. Le jardin est vraiment beau. Franchement, moi je suis quelqu'un qui kiffe la nature. Je vous ai mis une story où je vous demandais si... oh. T'inquiète, je me vengerai. Oh ouais, du coup, toi t'es maître nageur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Barbecue à charbon, c'est ça? Oui, à charbon, oui. Ça, les barbecues, vous savez très bien que pendant les vacances, en été, on se fait tout le temps. Alors je pense que tout le monde veut qu'on rentre dans la villa? Oui. Allez-y, rentre dans la villa. Donc déjà ici on a un petit jardin aussi, tranquille pour se poser. Boire son petit cocktail, vu qu'on a un chef custo aussi, je vous montrerai après le chef custo. Alors venez, n'hésitez pas, venez rentrer dans cette magnifique demeure, où déjà on a ce magnifique séjour, qui est incroyable, voilà. Alors ici on a une pièce, je vais pas la montrer maintenant, je ferme cette pièce à 5000 likes les gars, bombardez les likes. Je vous présente la pièce secrète, viens voir. C'est une pièce secrète. Et pour l'instant, je peux pas vous la montrer. Devinez dans les commentaires à votre avis qu'est-ce qu'il y a dans la pièce secrète. Celui qui devine, j'adore son commentaire. Ici, on a le petit séjour avec télé. Alors, ce qui est magnifique dans cette villa, les gars, c'est quoi? C'est qu'on a la fibre. Et je suis dégoûté parce que si je l'aurais su avant, j'aurais pu prendre, tu vois, mon setup pour les lives. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu live. Bon, après, je suis en vacances, donc je profite de mes vacances, tu vois, tranquille, au calme. Alors, ici, on a mon chien. Donc, on a dû l'argenter parce que j'en avais marre de lui. Donc j'ai dû l'argenter comme ça il me laisse tranquille. Voilà, il s'appelle Bibi. Deux petits canapés tranquilles pour se poser avec la vue sur piscine. Voilà. Et ici on va rentrer dans la pièce qui est pour moi la meilleure pièce. C'est la cuisine car c'est là où on va manger tout simplement. Cuisine, vous voulez que je vous prépare quelque chose peut-être monsieur? Oui. Alors c'est bon. Alors un sandwich. Un sandwich triangle. Oui. C'est parti. On est vraiment bien équipé, je mets mon petit, tu vois, petit tablier. Voilà. Et tu sais quoi, je vais faire la fin de la vidéo comme ça. Oh ouais. Comme un chef plutôt. Voilà. Alors, nous avons ici la cuisine, la pièce maîtresse de cette le four pour les poulets. Tout ce qui est poulet, tout ce qui est dinde. Le four qui est très chaud d'ailleurs, qui a été allumé. Oui. Ici tout ce qui est frigo, donc on vous filme pas, hein, intéressant, pour l'instant il est vide, hein, on vient d'arriver. Ici cave à vin forcément. On a des très grands fans de vin, mon caméraman qui filme actuellement, très grand fan de vin. J'aime beaucoup les vins. Enfin, vous pouvez voir tous les grands, donc, tous les grands crus. Des grands crus, enfin, oui. On a vraiment pas mal de grands crus. Hein. C'est rempli. On a de la Dom Pérignon, du Ruinard. On a du Ruinard, on a pas mal de champagne. C'est des champagnes invisibles en fait, c'est des nouveautés qui a été mis en place et on est exclusif. Ensuite bien nous, chef custo bien sûr. Alors ici nous avons une première chambre, on va dire que tout le monde a déjà commencé à installer ses trucs parce qu'on s'est réparti les chambres avant de faire la vidéo. On a une première chambre ici avec salle de bain, tu peux venir montrer ici. Salle de bain. Franchement je trouve que les salles de bain sont très très classe, ça fait un peu grec, tu vois ce que je veux dire? Voilà, petite salle de bain. Douche à l'italienne. Douche à l'italienne, tranquille. Voilà, on a l'alien qui fait des pompes. On a l'alien. On a le grand alien, hein. Voilà. Alors ici, on a une deuxième pièce, les gars. Une deuxième chambre. Bon, on vous montre vite fait, parce qu'il y a quelqu'un qui prend sa douche. Ouais. Donc c'est une chambre basique avec... basique, simple. Il y a montré là-bas. Une douche à l'italienne. Douche à l'italienne, encore une fois. C'est à peu près comme l'autre, mais sauf qu'elle est un peu plus grande. Alors ici, on a les très grands... on a trois grands... écutomanes. Je sais pas comment on appelle ça. Écuissons. Écuissons. Voilà. La salle. Bath lunch et moquette. Voilà. Ici on a la plus belle chambre de la villa. C'est la suite parentale qui est tout simplement incroyable. Alors
Je vais vous allumer la lumière. Alors, comment tu prends la lumière? C'est là? Ici, c'est bon. On a douche à l'italienne ici. Bon. Baignoire, WC, elle est magnifique. Alors, moi, c'est tout à fait mon style. Hein. Les villas, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris cette villa. Une villa un peu style grec et tout, c'est vraiment magnifique, les gars. On a des rangements ici. Mon lit. T'es claquette, eh? Voilà. Ici, on est pas mal, je pense. Voilà, ça c'est mon lit. Et ici, il y aura papa et maman qui dormiront à côté. Voilà. Ici, c'est vraiment la plus belle chambre. La plus grande aussi. Qui a accès directement au jardin. C'est pour ça qu'elle est magnifique. Voilà, ça c'est ma chambre, les gars. Et ici, on a encore une salle de bain. Douche à l'italienne aussi. Douche à l'italienne un peu grec. Ah oui, le lavabo en pierre. Petit gel douche de qualité. Le lavabo en pierre aussi. Seigneur. Forcément, un tablier sans son chapeau n'est pas un clim partout, clim dans toute la villa, toutes les pièces de la villa, même les toilettes, limite c'est... On va tous mettre des chapeaux là. Hein. Comme je vous ai dit... Comme je vous ai dit, ce qui est magnifique ici les gars, c'est qu'on a une deuxième pièce secrète. Bah la pièce secrète là-bas, je vous montre pas tout de suite. Mais on a une deuxième pièce, viens à moi. Donc là on sort de la villa, là on est plus dans la villa. Voilà. Et on a la deuxième pièce qui est ici, donc c'est la chambre... C'est la chambre qui est la meilleure, quoi, simplement. La meilleure. Alors venez, n'hésitez pas. La meilleure après la suite parentale. Voilà, la meilleure après la suite parentale parce que on appelle ça la cabana. Et du coup, je vous montre la deuxième pièce. Voilà, qui est tout simplement magnifique. On a une cuisine dans un premier temps directement quand on arrive sur la gauche, petite cuisine. Voilà, et on a deux chambres ici. Comme je vous dis, les chambres sont déjà prédéfinies. On a toujours avec, toujours avec la clim, forcément, qui est très important en été et dans le sud surtout. Première chambre ici, deuxième chambre ici. Le masque, forcément, on n'oublie pas. Très important en ce Covid. N'oubliez pas, juste derrière, 1 mètre de sécurité, ce qui est entre moi et le caméraman actuellement. Voilà. Ce que j'ai à vous montrer, forcément, un chef cuistot sans ses lunettes n'est pas un chef cuistot. Putain, en plein dedans, on est en plein cauchemar. Voilà. Là, les comment vas-tu? Alors ici on a, je pense que vous avez reconnu le youtubeur Moqué, sa statue qui a bien évidemment, qui a été mise ici en fait tout simplement. On a un petit salon studio, donc c'est un petit séjour, vraiment sympathique avec télé. Un petit clic-clac si jamais il y a un invité qui vient s'aventurer, quelqu'un, il pourra dormir sur le clic-clac, même ici sur le canapé. On a encore vraiment, je pense qu'avec tous les canapés qu'on a, on peut encore rajouter 4-5 personnes, je pense. Oui, largement. Largement. Voilà, ici on a un petit lit, le petit truc ici, et forcément, bien évidemment, studio, dit salle de bain, forcément, encore une fois, même style à l'italienne. Voilà, ouais, on va dire, forcément. Voilà. Donc, voilà ce qui est un peu de la villa. Je vous ai présenté tout ce qu'il y avait, sauf la pièce secrète. Je rappelle, 5 000 likes pour vous présenter la pièce secrète. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mon Instagram. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On cesse là-dessus, on se retrouve pour l'épisode 3. Ça sera la présentation de la pièce secrète. En tout cas, on sait ça dessus et on vous dit ciao.